Et pour parler de ce colloque, nous sommes avec François Pernin, le président de La Clé. Bonsoir. Alors expliquez-moi, quel est le message de ce colloque ? Il est très simple. La pauvreté, toutes les statistiques montrent qu'elle augmente. Ça prouve que nous ne sommes pas bons dans tout ce que nous faisons. Il faut faire autrement. La pauvreté n'est pas une fatalité. Elle correspond à des causes précises qui ont été impactées récemment par la crise du Covid, la guerre en Ukraine. La pauvreté... Les pauvres n'en sont pas responsables. On doit faire la guerre à la pauvreté, pas la guerre aux pauvres. Les pauvres doivent faire partie des experts qui imaginent les politiques, les évaluent et les mettent en place. Et enfin, la pauvreté est un problème politique majeur. C'est à cet étage-là qui doit être pris. Le nôtre, l'action sociale, humanitaire, n'est qu'une partie du problème et pas la plus efficace. Alors, on parlait des chiffres. L'INSEE n'a pas de chiffres plus récents que 2019. Pour autant, vous constatez au quotidien dans les associations une augmentation de cette pauvreté ? Un approfondissement. Une plus grande durée dans la pauvreté, et puis des gens qui jusque-là n'étaient pas touchés, qui sont touchés même sans le savoir, qui vont réagir tardivement. La situation est grave, puisque maintenant on parle de faim, et quand les Restos du Cœur brûlent à Lille, tout le monde tremble, comme si la faim était du ressort des associations. Non, il y a beaucoup d'autres mesures à prendre, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Avec l'inflation, vous sentez que la population est frappée davantage ? Tout le monde le ressent, même les gens un peu aisés, ils commencent un peu à compter. Oui, le panier devient de plus en plus cher. Il y a des gens qui ne font plus qu'un seul repas par jour. Et il manque également des logements sociaux, 6 000 en Corse et 600 de plus chaque année. Oui, on ne peut pas construire une vie, on ne peut pas bâtir un projet, on ne peut pas se soigner sans logement. Et il y a des non et des mal logés. Et ça, on n'a pas encore trouvé la solution parce que notre rythme de construction de logements neufs n'est pas suffisant pour combler le déficit. Donc là aussi, il faut réfléchir autrement comment produire du logement sans en construire. François Pernin, je vous remercie. Merci.